tout le monde est focus sur le béret. Je sais que d'autres vont aller chercher à regarder le live. Allez. On a laissé ça. Capoté, mais jaloux. Le son est coupé. Connexion est coupée. Le son est coupé. T'as mis ça. C'était la fête, c'était la mutation. C'est vraiment un nouvel. C'est moi qui ai démuté. Bon, on voit pas les gens, lui. La magie. La magie de l'internet. Voilà. Hey, ils voient pas les... Ici aussi, ils voient pas commentaire. On va essayer de voir. Attends, il va augmenter. Non, dit, tu vois là-bas, ça soit chez vous. Non, pas sur TikTok, sur Facebook. C'est bon là-bas. Allô. Wa alaykoum salam. Secrétaire. Secrétaire Djafoulin. Je cherche pas auprès de moi. Qui cherche auprès de moi? Toi? Je vais arrêter derrière toi. Comment est patron que je cherche pour sur la secrétaire? Ah, mais ça c'est fait. C'est la secrétaire que je cherche sur le patron ou pas? Ma bêtise, on va te distraire. On va t'oublier. Salam alaikum famille, j'espère que vous allez bien. Alhamdulillah. Non, c'est pas ma femme, c'est ma secrétaire. Elle est célibataire, si tu la veux. Son oncle est juste à côté de nous ici. Voilà. Alhamdulillah, Rabbil alamin, wa salatu wa salam ala rasoulillah. En fait, il y a un béret. Moi, je viens vous demander vos bérets, si c'est vrai. Ah. En tout cas, j'ai appris. Dans mon téléphone, t'as peut-être un voleur, non? Ok. Petit pas flotter là. C'est bien ça. Quoi? Ça fait là. Tu m'as été ma maman. Salam alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. On est de retour. La tête est de retour. Après sa tournée. Sa première partie de la tournée. On était à Boaké. On a fait le centre, après on est parti à l'ouest d'Aloua, on allait à Mans. Et très bientôt, Inch'Allah, on va être de retour sur Divo, Soubré, San Pedro. Après on revient, après on va attaquer encore Bandoukou, Tiasalé, Nenani, Nanana. Bandoukou, Adjaké. Voilà, toc. On fait le nord, le sud, l'est et l'ouest. Voilà. Le nord, le sud, l'est, l'ouest, tous les quatre points cardinaux. Voilà. Et Kachola, c'est pas sûr. Mais on sera à Kong en tout cas. On sera pas à Kachola. Donc, Alhamdulillah, Rabbil Alamin, la première tournée s'est bien passée. Alhamdulillah, on a été vraiment, vraiment, vraiment servi. On a été accueillis, on a eu des civilités, on a rencontré les rois, on a rencontré les chefs, on a rencontré beaucoup de personnes. Ça a été un succès, Alhamdulillah. En tout cas, on a profité pour régler deux, trois petites choses. On a découvert des choses, on allait à Cascade de Mans, on a fait des trucs chics, tu vois, on s'est pas ennuyé, c'était bien, on a bien profité, on était avec le docteur Abdelmadjid, accompagné de l'imam Bété AK-47, tout ça, en tout cas, c'était propre, voilà, AK, la secrétaire est bonne, elle est très bonne, en tout cas, c'est une fille qui est bonne, c'est bonne ou pas? Bonne. C'est une bonne, non? Elle a des bonnes idées. Tu es une bonne. Donc, Alhamdoulilah, ça a été un succès. On est de retour maintenant, comme vous le savez, à Abidjan. Pour un peu de repos après, on va passer. N'oubliez pas de participer au centre qui sera chargé de convertir un seul numéro que vous devez composer pour l'instant que je vous maîtrise beaucoup. 0747 32 0455. Vous appelez Opération Un Internaute Mifrand. N'oubliez pas surtout. C'est très important. C'est une sadakat pour vous. Inch'Allah ta'ala. Mais... Après, on est de retour, on se sent bien, un peu fatigué, mais bon, ça va. Vous avez reconnu, c'est Ismaël Aka avec sa secrétaire accompagnée de son oncle. Voilà, je suis dans le laboratoire, voilà, je suis dans le laboratoire, tout le monde est là. Vous n'entendez pas les bruits, mais tout le monde est là, le chaou est là, et puis bon, en tout cas, tout le monde est là. Donc, on tenait à vous remercier d'abord pour ce premier tour, voilà, on tenait à vous remercier. Le numéro 0747 32 0455, vous appelez Wave Orange Money pour faire vos dépôts pour
tout ce qu'ils ont à dire, ce n'est pas leur problème. Hein. C'est secrétaire là. Mais ah, tu devais m'arrêter derrière. C'est ce que tu voulais. Salam alaikum, faut dire à la secrétaire de s'asseoir. Non, c'est moi qui l'ai dit, elle va s'arrêter. Elle est trop bandite. C'est sa punition. Oustaz. Non, non. Elle va s'arrêter, c'est sa punition. Voilà. Donc, Alhamdoulilah, Rabbi l'Alamin, wa salat wa salat. Parlez-nous du thé. Très bien, non, ne vous inquiétez pas, on va parler du thé, ça c'est sûr. Le thé, il est là, on va parler de ça, mais pour l'instant, pas chanter. Alhamdoulilah, donc je tenais à vous remercier pour tout. Je vous aime en Allah, on s'aime en Allah, vous savez. Voilà, oh, je suis content de vous retrouver. Et voilà, tout est propre. Je demande si elle est mariée. Non, elle n'est pas mariée. Donc tout est propre. Alhamdoulilah, pardon, concentrez-vous sur ce qu'il dit, s'il vous plaît, concentrez-vous. Hein, s'il vous plaît. Autrement dit, autrement fait, il a chassé. Donc, Alhamdoulilah, de quoi on va parler aujourd'hui? Les frères, on a pris un son. Regarde dans notre tournée, là, on a pris un béret. Mais on ne sait pas si c'est vrai. Donc, on est venu demander, est-ce que c'est vrai? Ça, c'est pour moi, pour lui, là. On est venu demander, est-ce que c'est vrai? On dit, il paraît que, je mets ça au conditionnel, il paraît que, de l'autre côté, nos voisins d'à côté, ils ont leur vieux père, leur grand-papa. Là. Il paraît que, il dit on peut bénir l'union des morts de la gauche. Est-ce que c'est vrai? Question. Non. Toi, secrétaire, là. Quitte ici. T'as quitté ici, là. T'as la bouche, là. Faut des... Qui t'a demandé quelque chose? C'est elle qui m'a demandé, c'est plus elle. Chut. Restez concentré. Ce que le patron ne dit pas, ne dites pas. Voilà, suis mon regard. On a appris que, pendant qu'on n'était pas là, on dormait, on s'est réveillé, on dit, ah, il y a Lou Béret. Lou. Que nos voisins d'à côté, les grands-pères disent qu'on peut bénir le mariage des morts de la gauche. Est-ce que c'est vrai? Ah, les vrais, moi aussi, je viens de savoir si c'est vrai. Mais si c'est vrai, là, il y en a un peu bambi. Si c'est vrai. Non, c'est pas vrai. Comment? Est-ce que c'est vrai qu'on dit qu'on peut bénir le mariage des morts de la gauche? Si c'est vrai, voir le commentaire, c'est vrai. Non, c'est pas vrai, toi aussi. Non, tout ça, ça peut être vrai. Non, ah non, c'est pas vrai. Non. Non. Ils ont dit que, un homme et un homme qui marie deux femmes, c'est pas bon. Ouais. Ils ont dit que la polygamie, c'est pas trop. Là, moi, mais il me sent visé. Non, est-ce que ça, c'est pas sûr que. On pense pas qu'ils vont accepter que. Voilà, les morts de la gauche se marient. Aïe, 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 aïe. Ça, c'est. On suppose. Bon. Bon. Pour l'instant, on ne sait pas si c'est vrai. Mais les gens sont en train de me dire c'est vrai. Ah, vous êtes sûr que c'est vrai, les gars? C'est vrai, oui, c'est vrai. Vous avez des preuves? Non. Nous, on était à Manque, on a appris que le vieux dit et peuvent aller, on peut bénir ça. Et puis, il paraît que il y a un boy qui ne sont pas d'accord. Chez eux, là-bas, il y a un boy qui ne sont pas d'accord. Il y a un boy qui dit que non, que ce n'est pas normal. Qu'ils ne peuvent pas bénir ça. Question que moi, il me pose. Question qu'il pose si c'est vrai. Parce que, on dit le vieux là, c'est le représentant de Dieu sur terre. Hey. Dans les dogmes. Ah ouais. Bon, si le représentant de Dieu parle, pourquoi vous le contestez? Qui c'est, peut parler? Ce qu'il dit. Donc, on peut bénir le mariage des bères. Ah ouh. Non, attends, le premier imam qui a s'aventuré dans ça. Nous, on est serré. Va apprécier. Nous, on est serré. On sait que nous, les musulmans, là, nous, on attend le premier imam. Bon, comment on sait que les imams aussi vont? Jamais. Il n'y a pas. Même les kémites, même, on va accepter. Et même les kémites, hein, même les idolâtres, ils n'acceptent pas ça. Même les païens, même, il y a des choses, ils n'acceptent pas. Je ne pense pas que c'est pour nous, les imams bien éclairés, les musulmans peuvent parler, nous, les imams. Que les imams bien éclairés puissent autoriser ça. Mais les gars, faisons attention parce que le monde commence à tirer à sa fin. Le prophète Ali Salatou Assalam avait dit. Et ça, ça fait l'objet de la prophétie du prophète Ali Salatou Assalam. Tout à fait. Quand on vous dit de revenir à la loi de Dieu, Dieu nous a créé, il nous connaît mieux que quiconque. Il nous a créé, il sait que toi, Ismaël, tu aimes femme. Toi, là, tu aimes l'argent. C'est que derrière, tu aimes l'argent. Il nous connaît. Maintenant, il dit bon, comme toi, tu es comme ça là, il t'est permis à ce que tu prennes. Une, donc deux,
3, 4. Mais si tu sais que tu ne seras pas juste là, petit, prends un pour te débrouiller ça. Elle dit non, c'est quelle religion ça? Non, c'est pas bon. Comment tu permets tes femmes? Comment toi tu permets deux personnes à la fois? Oh, ouais. Mais oh, il pose la question, comment tu permets deux femmes à la fois? Mais comment? Et puis, comment ils font comment pour accepter que... Non, c'est lui. Que Nyanswa n'a qu'à épouser Daroubert. Comment Nyanswa peut être fan de Daroubert? Ça, c'est pas normal. Ça, c'est pas normal. On peut comprendre que Ismaël, il peut être fan de 2-3. Bon, ça arrive. Mais comment Dagobert, tu vois Paquet de Norbert, tu vois Paquet de ton frère sans bab, c'est moule du, c'est narine là. Toi tu viens, tu l'appelles Choupi. Ouais. Tu es fan de Adama. Les voisins venaient nous dire si c'est vrai ou bien c'est faux. Mais on a appris le son, on n'a pas dit que c'est vrai. Jusqu'à présent, on n'est pas sûr que c'est vrai. On n'est pas sûr que c'est vrai. Si c'est vrai là, dites-nous. Nous on fait beret de ça. Mais on vous attend. Qu'est-ce que c'est pour nous là, vous chargez? Non, nous on a appris. Jusqu'à présent, ça c'est la première partie. Hein. Il s'est pas sûr. Comme il s'est pas encore sûr de l'information, voilà pourquoi il prend ça sur les pincettes. Mais qu'il serait informé. Mais façon de descendre sur vous là, non. Hein? Et ça là, ça touche tout le monde. C'est pas une question de dire c'est ta... Non, ça là, c'est pas non, dans, c'est ta religion. Ça c'est... Non, ça touche tout le monde. Parce que nos petits frères aussi sont dedans. Nos enfants aussi sont dedans. Qu'ils vont savoir que là-bas on peut bénir, on peut légaliser. Mais ils vont partir là-bas. Donc le danger il est partout, les frères. Surveillez vos enfants. Je te dis, hein, il y a danger à l'horizon. Surveillez vos enfants. De... Où ça, je ne peux pas mon surat 4. Verset 1. Et quand vous dites que l'islam est mieux, parle maintenant du thé. Attends. Faut te calmer. Ce que j'en ai dit là. Après, on parlait du thé. Et là, on parlait de ça forcé. Oh, parce qu'il n'a pas assez de passe. Faut aller faut souscrire. Non, mais il y a été remboursé après. Voilà. Ouais. Moi, mon numéro est remboursé. On dit. T'as fait maintenant, on va il paraît que. Chez les voisins. D'abord, même, regarde. Hein. Regarde. Dieu dit, pardon, lis-moi le verset. C'est important. Tu peux, si tu peux lire en arabe même, ça me plaît. C'est que bon, c'est que j'ai enfin un oustaz. Tu peux lire un peu en arabe. Et puis voilà, vas-y frère, oustaz. Bismillah. A'ouzou billahi minash shaytanir rajim. Bismillahi rrahmanir rahim. Vas-y oustaz, vas-y frère. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum. Ittaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan kathiran wa nisaa. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. Craignez votre Seigneur qui vous a créé d'un seul être. Il dit oh homme. Voilà, Dieu qui dit dans le Coran, oh homme. En fait, c'est, il parle, c'est qu'il parle de nous tous. Il parle de nous tous. Il dit, oh homme. Vas-y frère. Tout à l'heure. Craignez votre Seigneur qui vous a créé d'un seul être. Il dit, craignez homme. Blanc, noir. Eh, hey, c'est quel jaloux qui m'appelle là. Il dit homme. C'est-à-dire le blanc. Le noir, l'arabe, le chinois, chrétien, musulman, bouddhiste, athée. Il dit, vous tous là, craignez votre Seigneur qui vous a créé d'un seul être. Vas-y. Et a créé de celui-ci son épouse. Fin du débat. Ah ben non. Il dit, il a créé de celui-ci son épouse. Il n'a pas dit, il a créé de cet homme-ci son époux. Son épouse. Pardonnez, faites-y, il y a un moment la question en live.
n'a pas changé. Il appelle. Voilà. Il n'a pas dit, oh homme, je t'ai créé de deux êtres. Les deux sont du même sexe. Il n'a pas dit ça. C'est pas encore fini. Hein. Va vous lire les versets, vous allez comprendre. Que quand Dieu vous parle et puis vous ne voulez pas écouter, on va subir les conséquences de ça. C'est comme un père qui dit à son enfant, faut pas aller là-bas, sinon si tu traverses la route, là, la voiture va te coller. Il dit, il m'en fout. Il court, il s'en va. La voiture va le ramasser. Bah, tu n'as pas écouté la parole de ton papa, non. Tu vas subir les conséquences. Lui qui nous a créé, il dit, je vous ai créé d'un seul être. Et j'ai fait de celui-ci son épouse. C'est-à-dire, de base, il a créé Adam, non. Il a vu qu'Adam était seul dans le jardin. Le gars s'ennuyait, il craint, il allait mourir. Il a créé Adam, il voit qu'Adam s'ennuie. Et là, il gratte sa tête, il marche, il ne sait pas où il va aller. Il n'y a personne qui l'a causé. Il n'y a pas Facebook, il n'y a pas Snap, il n'y a pas TikTok. Adam est seul dans la brousse là-bas. Elle est rare, les trucs. Les pangolins. Il n'y a personne avec qui Adam va causer. Dieu a vu ça, il dit, hé, mon petit, il me fait pitié. Attends, il fait quelque chose. Donc, selon l'autre côté, ils ont fait dormir Adam. Ouais. Ils ont pris une partie de sa côte. Ouais. Ouais. Ils ont pris une partie de sa côte. Et puis, ils ont créé son épouse. Et ils ont créé femme pour mettre à côté de lui. C'est-à-dire qu'un homme pour une femme. Une femme pour un homme. C'est ce qui est logique. C'est ce que Dieu a créé depuis l'origine. Sinon, Adam allait être jumeau. Mais nous, on est venus. On dit, non, toi, Dieu, tu n'as pas bien fait. Tu n'as pas bien fait. Tu n'as pas bien fait. Adam qui était là, si tu avais créé son ami garçon, tu allais voir. Hey, ouais. Mais s'il avait créé son ami garçon, Adam aussi. Bon, si lui s'appelait Adam, son ami garçon, il s'appelait peut-être Adamo. Bon, si Adam et Adamo sont ensemble dans le jardin, là, qu'est-ce qui va se passer? Hey. Il n'aura rien. Faux. Même si les deux me veulent faire quelque chose, est-ce que ça va sortir enfant? Jamais. C'est parce que Dieu veut qu'on remplisse. C'est parce que Dieu a voulu ça que nous, on est là. Voilà pourquoi il nous interpelle. Il dit, oh homme, craignez votre Seigneur qui vous a créé d'un seul être. Donc, il nous ramène que si on redonne des êtres humains, qu'on vit, on parle, on mange, on danse, on prend des décisions, c'est parce qu'à l'origine, il a voulu un homme et une femme. Mais si Dieu a voulu ça, ouais, nous, on est qui pour pouvoir changer la règle de Dieu? Nous, on est qui? Maintenant, l'autre côté, on dit qu'elle ne se marie pas. Il est en direct actuellement. On dit que comme elle craint Dieu et sert Dieu là, elle ne se marie pas. Mm-hmm. Non, si tu finis. Mais tu c'est plein de médicaments là. Il y a une chose qui est bizarre. Les frères, les hommes religieux qui ne se marient pas là, il va t'appeler. Écoutez la question qu'ils me posent. C'est bizarre. Est-ce que vous savez que quand on dit qu'un homme ne se marie pas, c'est une maladie de dire qu'on est au courant de quel tu es un pécheur? Est-ce que vous savez ça? Yeah, ouais. Si tu n'entends rien dire, moi, il ne me marie pas. Il est en train. C'est qu'il vient de nous dire que c'est un fornicateur. Ouais. Sans, c'est une manière indirecte de nous dire que c'est un faux type. Ouais. Parce que Dieu a créé l'homme en lui inculquant, en l'imposant des désirs, des envies, etc. etc. Ça, c'est une imposition à l'homme. Claire. L'homme sent le dégoût, il sent le goût, il sent beaucoup de choses. C'est l'homme. Ouais. Tant que tu es un être humain à sang dans ton corps, tu mailles celle là. Tant que tu bois l'eau. Forcer Dieu va t'inculquer ça. C'est une obligation. Tu seras forcément. Tu auras forcément un jour des envies. Voilà pourquoi il y a un artiste. Un jeune petit artiste qui fait les locks. Il n'y a pas le nom de quelqu'un. Ouais. On l'a invité sur un plateau de télé. Ouais. Voilà. Lui qui dit Dieu pile bas vous tout. Il pile bas vous tout. Il met l'eau, il met sauce. Mais il... C'est que les enfants là aiment là. Ouais. Un jour on l'a invité sur un plateau. Moi, mais regardez, mais... On lui dit mon frère, tu es marié. Il dit, il a donné sa vie au Seigneur. On lui demande, tu es marié? Je ne suis pas marié. Le journaliste insiste, il lui dit, mais tu fais comment? Quand tu as des envies là, tu fais ça comment? C'est que même païen te pose une question. C'est que c'est les païens qui lui posent des questions existentes. C'est-à-dire que des questions qui doivent l'amener à être. Il a dit quoi? Ok, non, lui, en tout cas, lui, voilà. Lui, il les chasse, lui, il se débrouille. On dit, bon, quand l'envie là vient, tu fais comment? Il dit, en tout cas, lui, voilà. Lui, il se débrouille comme ça. Lui, il n'a pas d'envie. Ouais, il nous fait croire que lui n'a pas d'envie. Voilà, lui n'a pas d'envie. Vous voyez. On veut mentir. Et qu'on veut cacher aux hommes ce que Dieu même... Dieu dit un homme pour une femme. Tellement que Dieu connaît l'homme là. Il dit... Il va loin. Dieu va loin. Il dit... Même les enfants que vous mettez au monde là. Quand tu mets un garçon, tu mets une femme. À un certain âge, il dit qu'il ne faut pas les faire dormir ensemble. Oui, c'est pareil.
Attends, nous, on connaît Dieu. Mais... Même les enfants, on dit de les séparer. Même les enfants, hey. Dieu dit séparer-les. Imagine. Un certain âge-là. Séparer-les. Un adulte. Maintenant, il dit, ton enfant, tes deux enfants, ils sont frères, mais ils savent qu'ils sont frères et sœurs. Mm-hmm. Dieu dit les deux là, on va les faire dormir ensemble. Il faut les séparer à un moment donné. Ouais. À plus forte raison, l'homme, Babaché. Garçon, toi tu dis que toi tu as grandi, toi tu t'es consacré au Seigneur, toi tu ne te maries pas. Mais le vieil, si tu ne te maries pas, quand tes envies arrivent là, tu fais comment? Voilà la question qu'on pose, mais jusqu'à là, on n'a pas encore trouvé de réponse. Secrétaire, tu as la réponse? Oui, question posée. Et puis, chose bizarre, hein. Je ne comprends pas. Quelqu'un qui n'est pas marié, qui ne s'est jamais marié, c'est lui qui juge l'affaire du mariage. Ah. Il y a problème. Comment, le vieux, comment toi tu fais? Quand on n'est pas là, hey. Il y a des choses qu'on est là. Et puis, il y a des choses qu'on n'est pas là. Quand on n'est pas là, au levier. Comment tu fais quand tu as des envies? Tiens, Lotus, pardon. Fais doucement. Merci, mon frère. Je ne vais pas te blesser. Merci, mon frère. Venez nous expliquer hein, comment ils font. Quand ils ont des envies, là. Comment ils font? Heureusement que nous, nos imams, là, ils prennent 4 hein. Demandez à AK-47. Il a bouclé, il a fait. Lui-même, il dit si Dieu n'avait pas mis interdiction, lui, il a fait village. Lui, il avait un village des femmes. Ah, lui dit, n'est pas dans le truc. Hein. Nous, mes amis, Dieu a dit 4. Il y a les morts, même. Ils sont prêts pour aller à 10 même. 35. Équipe de football complet. Gardien, c'est formidable. Attaquant, c'est formidable. Mais malgré ça, là, dans toutes les jolies femmes du monde, là, yeah. Le vieux a dit, lui, prend pas dedans. Lui, c'est marié. Le vieux, tu fais comment? C'est une preuve que Dieu vous montre qu'il n'y a pas la vérité là-bas. Ils vont venir nous dire que, oui, tata, mais fier de l'être. Je vous ai dit, oh, même les sorciers, ils sont fiers d'être sorciers. Mais qui ne va pas s'envoler? Tout le monde. Quand ils envoient, ils le comptent. Quand ils boivent sans des gens, ils le comptent. Quand ils mangent, tout le monde est fier. Est-ce qu'il a choisi? Mais il dit, hein, réfléchissez. Maintenant qu'il dit, on a qu'à les bénir, vous dites, mais non, c'est pas normal, on ne peut pas faire ça. Ah ouais? Donc vous connaissez ce qui n'est pas normal. Alors si ce n'est pas normal, déjà commencez à vous marier d'abord. On entend les gens dire, il a fait un vœu de chasteté. Ouais, 2023, allez là. On peut faire ça. Si il n'a pas go, c'est qu'il est la femme de nuit. C'est sûr, il est fond d'elle. Il y a des mots, ils ne cherchent pas, ils disent, ils ne veulent pas se marier. Ils ont des femmes de nuit. Toi. Lui, sa femme de nuit, peut-être que c'est Shakira. T'es sûr qu'il va se marier un jour? Non, il a déjà plus sa femme de lui. Il y a les gens qui ont 4 enfants et les femmes de lui. Il y a les gars, ils ont. L'homme qui dit se marie pas, qui veut pas se marier, seule la douche peut nous dire la vérité. Je te dis. Je dis, hein, les vieux qui disent se marie pas là. Seule la douche, si douche parlait, ah, il y a les secrets qui allaient sortir ici, là. Imaginez-vous que douche parlait. Un jour, on se promène, on a un micro trottoir de douche. On donne le micro à douche. Faut parler. Ismaël Aka est devant. On est foutu. Mais c'est secret que douche qu'on est là. Douche même ne peut pas parler. Ouais, si la douche parlait, Allah, on allait lire l'homme-même. Ça nous dépasse même. Douche. Douche et puis téléphone. Pas à 1100 quand même. Il a dit qu'il y a les téléphones à Bidjan ici là. Je vais toucher. Ça peut créer 4ème guerre mondiale. Et ça peut amener le jour de la résurrection sur le jour. Faut pas se mentir, hein. Mais malgré ça, les vieux là, ils disent que eux là, ils se marient pas. Salut, il doit se déplacer. À plus forte raison. À plus forte raison, quoi, ils nous disent que. Non, quand deux personnes de même sexe s'aiment, on doit les laisser vivre. En tout cas, c'est eux qui sont forts. Allez, là, quand tu t'amuses à parler d'eux, si tu t'amuses, ils vont te mettre les bâtons dans les roues. Donc, nous aussi, on est assis, on regarde. On dit, comme vous avez refusé la voix de Dieu, là, on vous regarde. Sourate 49, mon frère. On vous regarde. Comme vous refusez pour Allah.
D'abord, premièrement, là, Sourate 59 d'abord. Sourate 59, elle a dit quelque chose là-bas qui m'intéresse. Sourate 59, elle a dit, verset 10, quelque chose là-bas. Il y a quelque chose qu'Allah a dit là-bas, ça me dit quelque chose. Verset 10. On va. Ne quittez pas, hein. Aujourd'hui, là, c'est... En fait, j'ai appris. En gros, c'est pas comme ça, mais si c'est sûr, là, vous allez voir comment elle descend sur vous. On va. Non, descend un peu, là. Attends. Là, il dit, ils ont oublié, alors là, ils ont fait oublier les protections, je crois, oui. Je crois, c'est quelque part ici. C'est quelque part ici. Attends. Ah, c'est quelque part ici, c'est ça. Laisse moi switch. Attends. On n'est pas ce qu'il arrive. Non, c'est pas grave. On va verser 6 par exemple. À partir du verset 6, si tu trouves, d'accord, tu fais signe. Voilà. C'est quel médicament? Pause publicitaire d'abord avant de lire le verset. On va faire une pause. On va trouver le verset rapidement. Vous voyez ça? D'ailleurs, c'est pour ceux qui ont ce thé là. Vous voyez que c'est un kit complet. 2 thés plus une poudre. Dans une boîte de thé, il y a 20. Dans une boîte, il y a 20 thés. Pour ceux qui ont le diabète, l'ulcère, contactez-nous au numéro suivant. C'est la secrétaire qui va s'occuper de vous. C'est quoi le numéro? 07. Parle fort, t'entends pas. 07. Mmh. 68. 97. 34. 05. Tu chantes combien? Ah ouais. Répète le numéro, on n'a pas entendu. 07. 07. 68. 97. 97. 34. Vous pouvez appeler, c'est le téléphone dans sa main. Voilà, vous pouvez appeler. Donc ceux qui ont diabète, ceux qui ont des parents qui sont diabétiques, ceux qui ont des parents qui ont l'ulcère, etc. Vous pouvez appeler, Inch'Allah, le numéro. C'est très bon, c'est un traitement de 1 mois. C'est satisfaire ou rembourser. J'ai l'habitude de le dire, satisfaire ou rembourser. Ça, c'est pour ceux qui ont l'hémorroïde. Ceux qui ont des problèmes de digestion, ils ont fini de manger, puis ils n'arrivent pas à dormir la nuit parce qu'ils ont des problèmes de digestion. Il y a des gens aussi qui n'arrivent pas à dormir la nuit naturellement, ils ne savent pas ce qui se passe, mais ils ont de l'insomnie. Ça aussi, ça gère ça. Vous avez des problèmes pour les hommes mariés, comme on est en train de parler là, les hommes mariés. Aux femmes. L'homme marié. Aux femmes. À des femmes. Bien ou sûr. À une femme. Ouais. Maintenant, l'homme là, il a un petit problème. Ou bien il a un problème à la maison. Dans son lit conjugal, il ne conjugue pas bien. C'est naturel. Les hommes mariés, rentrez en inbox avec moi. On va résoudre le problème là. C'est un petit problème. En moins d'une semaine, un mois, il n'y aura plus par la parole souvent. Et ça, c'est sunna aussi. De respecter et de donner le droit des madames. De bien conjuguer. De bien conjuguer. Allah dit dans le Coran, il dit, allez-y vers vos épouses comme si vous partez où? Labourez vos champs. Ouais. Allez-y. Dieu donne l'autorisation à l'homme de bien s'occuper de sa femme. Elles sont pour vous une couverture. Une couverture. Et vous êtes pour elles une couverture. Pareil. Claire. Donc là, quand on dit que tu es garçon, quand ta femme te va dire « Je suis marié, mon homme, il s'appelle tant », c'est parce que tu es son homme. Tu connais la chose. Tu sais de quoi il parle. Mais imagine, chaque fois que tu dois aller, madame, son visa est serré. Il y a des gens qui ont un peu honte. L'islam, il n'y a pas l'honte. Si tu as la honte, là, tu as... On a l'habitude de dire que la honte tue, non? Attendez, épinglez le numéro pour vous. Il y a quelqu'un qui vient de mettre ça en commentaire. 07 68 97. Attendez, je vais mettre ça sur TikTok pour ceux qui veulent. Il n'y a pas la honte dedans. Ayez honte. Ceux qui ne sont pas mariés là n'ont pas honte. Non, ceux qui ne sont pas mariés n'ont pas honte. Hein. C'est... Mais c'est ceux qui sont mariés qui ont honte. Ayez honte. Ayez honte. Tu es dans la légalité et puis tu as honte. C'est ton droit. Dieu dit que chaque fois que tu vas avec madame, il te bénit. T'as dit, c'est pas ça? Ok. Ça, là, tu dois te tanker même pour pas dire. Eh, tcha. Tcha. Eh, tcha, ma vieille. Jouer à faire là. Voilà, j'ai épinglé le numéro. Attends, je me suis trompé.
J'ai épinglé le numéro sur WhatsApp. Pardon. Sur... J'ai bien expliqué, expliqué, pourquoi fini. Je suis en train d'épingler le numéro pour vous. Ah, j'arrive pas. Donc, diabète. Pardon, ça c'est fini. Je suis en train d'épingler le numéro pour vous. Ah, j'arrive pas. Donc, diabète. Pardon, ça c'est pour... Insomnie. Hémorroïdes. Hémorroïdes, souvent on appelle ça coco. Tu sais qu'on a coco, t'as coco. Voilà. Et des gens qui ont des problèmes de digestion, etc. Vous nous contactez. C'est moins cher, c'est moins cher, c'est moins cher. La secrétaire déjà. Il n'était pas connu d'aller. Reviens. Attends. Voilà. Attends. C'est sa punition. Vous contactez pour les hommes mariés. On va gérer ça. Ça s'accompagne avec ce bidon là. On appelle ça le Terminator. Kayuruku, kakete. Voilà. Ça c'est pour les hommes mariés. Maintenant, pour ceux qui ont le palu. Pardon, pourquoi tu m'assois? Attendez, il a demandé aux gens d'abord. Vous voulez qu'elle elle aille s'asseoir ou bien... C'est comment? Parce qu'il est puni. C'est vous qui dites. Il a laissé aller s'asseoir. Il a demandé quelle maladie. Attends, ils vont répondre d'abord. S'ils disent oui, ils te laissent partir. S'ils disent non, tu restes. Donc, écrivez d'abord. Oh, ok, on dit oui sur TikTok. On dit... Madame, allez-y. Merci. Il faut dire merci. Il y a dit merci. Reviens, t'allais dire merci. Ils n'ont pas Thank entendu. You very much. Ok. Donc. Bien, allô, monsieur. Donc. Les hommes mariés. T'as trouvé le merci. Ouais, le merci est là. Voilà. Les hommes mariés. 19. C'est les hommes mariés. Les mamans aussi. Les femmes qui veulent allaiter, qui n'ont pas assez de seins. Et pardon, qui n'ont pas de lait. Voilà. Qui n'ont pas le lait. Vous pouvez nous contacter aussi. Des femmes qui viennent d'accoucher aussi, vous pouvez nous contacter. Des femmes aussi qui ont les trucs douloureux là. Voilà, vous pouvez, qui sont dans les mauvaises périodes et quand ça vient avec beaucoup de douleurs, etc. Vous pouvez nous contacter, on va vous aider, Inch'Allah. C'est-à-dire, on vous traite physiquement, on vous traite spirituellement. Voilà. La santé n'a pas de prix, ça n'a pas de religion, ça n'a pas de voilà. Donc tout le monde peut venir, Inch'Allah, se traiter. Il n'y a pas de problème. Venez vous traiter, c'est gratuit. Venez vous traiter, c'est gratuit. Bon, on va retourner au verset maintenant. La pause publicitaire étant finie. Donc, ceux aussi qui ont le palu, toutes sortes de maladies, contactez-nous. Voilà, on va voir si on peut le faire. Ceux aussi qui ont fait des AVC, des parents qui ont fait l'AVC, mais qui ont une partie qui est paralysée, contactez-nous. On a la solution, ça, Inch'Allah. Bon, on reprend là où on s'est arrêté. Le démarrer. C'est ici. Je ne suis pas parti avec ça. Fais le magasin, c'est ici. Ok. Ouais, c'est ça qu'il a donné. Ok. Donc, revenons à nos moutons. Revenons au sujet. Donc, on disait que quand on refuse la loi de Dieu, logique et raison, qu'on aura des problèmes. Claire. Mais pourquoi aujourd'hui, on est en train de savoir, mais André, ils ont dit, ils ont légalisé. Aujourd'hui, les gens se plaignent. Mais on a refusé la loi de Dieu parce que Dieu avait dit ceci. Écoutez bien le verset. Vas-y, frère. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم نعم أولئك هم الفاسقون الله أكبر نعم et ne soyez pas allez dire et ne soyez pas vas-y comme ceux qui ont oubliez Allah. Et ne soyez, ne, il dit, écoutez bien le verset. Il dit, ne soyez pas comme ceux qui l'ont oublié. Qui ont oublié Allah. Vas-y. Et Allah les a fait, alors fait oublier leur propre personne. Allah Akbar. Yeah. C'est que si Allah dit, comme tu l'as oublié là, lui aussi t'a fait oublier ta propre personnalité. Voilà pourquoi vous, quand vous voyez les gens, vous les demandez si ils sont normaux. Est-ce qu'ils se connaissent? Pourquoi? Parce que vous avez oublié, on a oublié Allah. Quand tu oublies Dieu, Dieu te fait oublier toi-même qui tu es même. Voilà pourquoi tu peux bénir ça. Tu peux bénir relation de deux poilus, deux paquiteux. Parce que tu as oublié Dieu. Donc Dieu aussi te fait oublier ta propre. Il te fait oublier que toi, ta nature, c'est... tu es un être humain doté de raison. Ceux-là. Vas-y, il dit ceux-là. Sont les pervers. Il dit ce sont des pervers. Du coup, tant que Dieu te fait oublier ta nature, si tu as oublié ta nature, tu seras forcément pervers. Très. Tu seras un pervers, ça ne ment pas, tu seras un pervers. Et voilà la perversité qu'ils sont en train de nous donner. Pour l'instant, on dit que ce n'est pas sûr.
Donc je retiens mes mots. Mais si c'est sûr, là, Dieu a déjà dit, il dit, vous, là, quand vous l'oubliez, lui, si vous fait, il vous fait oublier vous-même, votre propre personne. Vous oubliez qui vous êtes. De sorte que vous faites des choses même abominables. Alors, ça dit, mais comment est-ce que c'est possible? Quel que soit le raisonnement, on ne dit pas de les combattre, on ne dit pas de les tuer. Vous dites qu'on doit les laisser comme ça. On n'a qu'à vivre comme ils veulent. Mais comment on peut mettre Dieu là-bas? Si Dieu aimait ça là-haut, pourquoi il a détruit des peuples qui ont pratiqué ça? Quand on les dit, ils disent non, ouais, mais Dieu a tué. Mais comment Dieu? Walekou salam, maman, bonne arrivée. Comment? Écoutez les frères, comment Dieu peut. Si Dieu aimait ça, on dit Dieu a créé chaque chose pour un but. Il a créé mes gros nez là, c'est pour qu'il respire. Mes yeux pour qu'il voit. Ma bouche pour qu'il parle. Et puis manger surtout. Voilà. Donc toutes les autres parties qu'il a créées là, c'est utile. Maintenant, il a créé. Subhanallah, tout de fait, on va rentrer dans les détails même qui sont pas. Il a créé des choses pour que nous on vienne là-bas. La vie passe par là-bas. Mais vous là, où la vie passe là, vous ne voulez pas utiliser ça. Où il n'y a pas la vie là-bas là. C'est là-bas que vous aimez. Ah, vous êtes comment même? Comment on peut bénir ça? Quand tu es béni, c'est que Dieu a maudit. Ce que Dieu a détruit à cause de ça, à cause de cet acte-là. Toi, 2023, toi le vieux, quoi, tu es allé en enfer, tu n'es pas le seul. Levez là. Le vieux qui habite en Italie là. Il sait qu'il va aller en enfer, non? Il ne veut pas aller seul. Donc il veut emmener ses collègues dedans. Aïe. Aujourd'hui, j'étais choqué un jour, j'étais sur TikTok, il y a vu un pasteur. Maintenant, on ne dit pas le nom de quelqu'un. Mais quand il dit le nom de quelqu'un, ils ont relation, hein. Hey. On va te prendre moi-même, imagine, si met la carte à menotte. Allez, pas en prison. Quand on m'en préserve. Photo de ça. Il n'y a pas dit le nom de quelqu'un, mais il y a vu un pasteur. Il allait faire match TikTok. Lui, son gouin, hein, eux, leur gouin. Ouais. Il est assis, il dit, oh. C'est affaire de l'argent, waouh. Ou bien il veut se faire aimer, il veut se faire plaire, waouh. Ou bien c'est comment? Toi, tu es un homme de Dieu. Comment, quelle est la relation que tu peux avoir avec quelqu'un de la gauche, si ce n'est de le ramener à droite? C'est que le seul rapport que toi, tu peux avoir avec les jeunes, elle est belle. Toi, le pasteur qui a fait ça, le seul rapport que toi, tu peux avoir, elle est belle. C'est de t'arranger, de prier Dieu de sorte que eux là, tu les ramènes sur le droit chemin. Il peut pas avoir amusement de vous. C'est pas possible. Bon, comme tu as un doute de ton côté pasteur, c'est nous on considère jusqu'à preuve du contraire que tu es ça. Nous, moi, on te respecte quand on dit que tu es ça. Parce que c'est pas nous on t'a oint. C'est pas nous on te déoint aussi. Je te dis. Hein. Voilà. Donc tu dis que tu es oint, on te prend comme ça. Mais l'évier. Il y a quel rapport il peut avoir entre un. Voilà pourquoi souvent il y a des mots où Jésus disait, mais qui a-t-il entre toi et moi? Qui a-t-il entre vous et moi? Mais il n'y a aucun lien. Toi, ton souci, c'est de le ramener sur le droit chemin. Mais toi, non, hein. Mais non, fais match. Tapotez, mettez le cœur. Envoyez les lions. Envoyez les. Vieux Béo. Toi, t'as pas dit que tu as l'argent même. Parenthèse. Toi, t'as pas dit que tu as l'argent. Toi, t'as l'argent, tu demandes le lion. Bon, il a refermé la parenthèse. Toi, il était à l'œil aussi. Hein. Il était à l'œil. Mais il dit. Maintenant, il y a un, tu sais, le vieux là, son bon, il a, et c'est les premiers. C'est eux qui étaient, et avant eux, la maison mère de l'église, c'est eux. Ouais. Maintenant, après eux, il y a les petits qui sont descendus à côté. Ouais. Les petits, ils commencent à crier, ils disent non, c'est pas normal. Non. Il dit, les petits, taisez-vous. C'est le babaché qui a parlé. Taisez-vous d'abord. Ah! Taisez-vous. Bible la main qui vous attrape pour dire que s'il est écrit, c'est eux-mêmes qui ont fait puis vous ont donné. Donc attendez d'abord. Quand on attaque la tête là, vous les papéros là, commencez à vous chercher. Donc nous on dit, hein, on espère que c'est faux. On espère que c'est faux. Vous ne voulez pas bénir ça là. Si vous bénissez ça là, vous allez bénir pour le gamin l'embris. C'est que nous, on commence à laver dedans. Non, mais ah, ok.
on jeûnait, on priait. Vous allez légaliser, vous allez prier pour la polygamie aussi. Mais tu ne peux pas condamner la polygamie. Tu ne peux pas condamner ce que Dieu a rendu licite. Que Dieu a permis même. Il n'a pas obligé. Il a permis. Il a permis. Vous là, vous avez dépermis ça. Déraciné même. Maintenant, vous, ce que Dieu a condamné là, vous voulez nous imposer ça. Levez. Les voisins, j'espère que c'est faux. En tout cas, on espère vraiment. J'espère que c'est faux. Mais ils sont beaucoup à Bobo, à Djamé, à Koumassi, à Yopougon ici. On les voit, on ne peut rien faire. Oh Dieu là, il faut regarder nos petits frères. Il dit, les gars, est-ce que vous voyez où, comment le monde est en train de finir même? On va faire l'apocalypse. Il dit, mais les gens font les chansons. Tu vois, les enfants qui dansent, les fonds. Garçon, hein! Maintenant, les petits, tu faut voir sur TikTok là, si tu fais vue là, faut te déguiser en eux. Les petits là, quand ils dansent maintenant, ils disent, petit, les fous, ils essaient de danser. Pourquoi pas, ils font comme ça? Un gros chat. Seigneur! Et puis on est content, on dit, ouais, l'enfant là est fort! C'est danser, oh! Et! Au premier match, on dit, tout le monde est devenu féminin sur TikTok. Il dit, le taux des gars a commencé à pousser. Ça monte même. Ça monte. T'arrives à Sikoji là. Sikoji sent mal quoi. À cause d'eux. Et ils font tissage. Il paraît que même quand ils te tissent là, qu'ils tissent les filles là, elle préfère aller donner sa tête au gars là pour se faire tisser qu'elle allait donner à sa camarade femme pour se faire tisser. Parce qu'il paraît que les gars sont très forts. Ils sont habillés. Ouais. Vous pensez que Satan à lui, Satan qui veut travailler, il travaille bien. Il n'est pas comme nous, on fait un peu, Non. Il connaît son sort déjà. Donc... Si toi, masculin, t'as rendu féminin, Dieu te donne toutes les caractéristiques, toutes les performances pour que tu demeures, que tu te sentes à l'aise là-bas. Ouais. Tu vois les filles en train, et les garçons en train de danser maintenant. Ils font les trucs. Voilà la canne qui arrive. Je te dis, hein, pendant la canne, imagine comment ils vont se laper. Ils vont se laper, hein? Ah, mais ils appellent ceux qui sont à l'extérieur, ils appellent. On a problème. Le problème. Pardonnez, gouvernement aussi. Bon, on ne peut pas interpeller le gouvernement. Nous, on a nos bouches petites. Nous, ce qu'on peut dire, c'est pour Dieu. C'est Dieu, nous, on connaît. On demande pardon. Il dit, si Allah veut châtier la Côte d'Ivoire, il y a tous les arguments pour ça. Ouais. Si Allah veut détruire le monde, là. On lui a donné tous les arguments même pour détruire le monde. Tout. Ouais. Tous les arguments sont réunis pour qu'il nous extermine, c'est qu'il nous écrase même. On a tout. Tout ce qu'il a interdit, là, c'est ça en fait. Qu'un gars, quand tu as parlé, ils vont dire l'enfant là, il parle. Nous, on a assis sur les réseaux. On regarde, on dit, mais attends. Et les gars là, ils vivent bien aussi souvent. Hein. Ils sont foutus. Un gars qui a marié sa femme, un joueur, il a marié sa femme, non? Et puis après, on dit, non, il y a une artiste qui est venue le détourner. Et puis c'est légal. Ouais, on est content. Elle dit, les deux, ils font beaucoup. Mais oui. Elle a rasé le gars. C'est pas grave. Marie de sa camarade, elle a pris. Bon, lui, et puis. Le cocu. Et puis c'est ce qui est c'est normal. C'est licite, c'est normal. Genre, comme si ça avait rien. Bon. C'est que go et gars, fornication, tout est normal maintenant. C'est qu'on s'en fout quoi. Et puis les gens défendent ça. Le prophète a dit, on dit ce qui était interdit sera ordonné. C'est que Dieu, ce qui n'était pas normal là, ça sera normal de nos jours là. Dites-nous, on ne va pas croire. C'est ça. On ne croit pas vraiment. Oui. On va. Il a dit, non, on a un peu la chance. C'est nos enfants. Nous là, on ne dit pas que nous on est parfait. Non, c'est que nous on n'est pas parfait. Mais au moins quand on fait nos choses là. On sait qu'il y a Dieu qui nous voit. Donc il y a des choses on a peur à cause de Dieu. Mais vous là, vous en foutez même. Allons et ça son moi. Nos petits frères sont en train de devenir tous des pères. Tous, ils sont en train de partir à gauche. Tu arrives au quartier, les gars avec qui j'ai fréquenté. Les gars, j'ai vu un gars avec qui j'ai fréquenté. Il était très bon en mathématiques. À l'école.
Non mais il en vient même. Je vais prier. Un jour, il arrive au marché de Sikoji, il voit le gars en collant. Ah! Frère Saint! Il a monté collant. Un chêne au pied. Faut voir rouge à lèvres maintenant. Il frère Saint! Il est devenu clair comme ça. Une chaise, va point. Mon gars là, il dit, mais. Ça va aller. Allez, tout salam. Il dit, ah, mon frère Saint a penché de la gauche. Ah! C'est passé sur moi. On peut être gaucher comme ça. Soit quand même. Yeah. Vous nous avez eu un, les gars. Mais vous avez gagné la première partie. Combat, vous n'allez pas gagner. Vous n'allez pas gagner. Vous n'allez pas nous faire croire que c'est logique. On doit bénir ça. Là. Vous voyez la secrétaire, non? Non, vous n'allez pas nous faire croire ça. Vous n'allez pas nous faire croire. Pour rien au monde, vous allez nous faire croire. Merci. Vous n'allez pas nous faire croire que c'est normal. T'as fini? Vous n'allez pas nous faire croire. Contactez-nous. Le numéro, c'est le plus 225-07-68-97-34-05 pour ceux qui veulent le médicament. Non, les gars. Vous n'allez pas nous faire croire que c'est normal. Pour rien au monde, on va accepter ça. Hein? C'est une relation contre nature. On n'a pas dit que c'est... Dieu dit, c'est une abomination. C'est abominable. C'est-à-dire, ça va à l'encontre de la nature. La nature veut qu'il y ait masculin, féminin, pour que le monde évolue. La nature veut qu'il y ait... Bon, maintenant, si tu es né, tu n'as pas demandé, le sentiment est venu, on comprend. On ne peut pas te tuer pour ça, on ne peut pas te blâmer pour ça. Donc, ce qu'on te demande, c'est de prier Dieu et ton sentiment, de vivre ça secret, va venir afficher ça. On va venir imposer, on va venir faire croire à nos enfants que c'est normal, ils doivent faire ça. C'est ce que nous, on vous dit. On dit, nous, on ne veut pas ça. Et nous, on attend le premier imam de la côte. Bon, ça ne va pas arriver, donc il ne parle pas des imams. Nos imams, là, ils sont... Allah a mis la grâce sur nos imams. C'est vrai, ils ne sont pas parfaits, mais ça, là, il n'y a pas une langue à se prononcer dessus. Voilà. Non, ce n'est pas possible. Voilà, ce n'est pas possible. Et ceux qui seront les premiers à condamner ça. Mais j'ai dit, si le vieux, là, a vraiment validé ça... Ah, nous devons aller à Rome là-bas. Hein. Il va nous donner des explications. Et nous en Afrique ici, on dit non. Ça là, mais c'est même pas fait des musulmans, c'est même pas fait des chrétiens. C'est même pas fait des religions même. C'est affaire de ça. Là. C'est même pas fait des religions. Est-ce que nous on a besoin de parler des religions dans ça là? On n'a pas besoin de parler de la religion. Les gars, surveillez vos petits frères. Oh. Beaucoup de vos petits frères sont là-bas, hein. Je vous dis, vous ne savez pas. Hein. Vérifiez vos petits frères. Vérifiez les téléphones, vérifiez bien vos petites soeurs. Les enfants là, c'est lapin. Hein. Je vous dis, oh. Les gars, c'est lapin, oh. Je vous dis. Ça c'est un papa. Les gars, et puis son combat a devenu beaucoup, hein. Il y a une fille qui m'a contacté un jour. Salam alaikum. Je suis désespéré. Le monsieur devait me marier. On a tout fait. On a réuni ma famille. Le mariage n'a pas eu lieu. Mais ses parents disent que non. Je suis comme ça, comme ça. Moi, il est seul. Je crois qu'il est devenu. Il est parti, il est devenu lélé. Il dit Subhanallah. Tu voulais devenir enfant ou bien. Ma chérie, tu aimais ça ou bien toi-même là. C'est à cause des déceptions du monsieur là que toi tu es parti là-bas. Donc là-bas, il n'y a pas goumé. Les gourmets sauvages, les gourmets sales, hein? Ceux-là, les gourmets. Pas 10 ans quand même. C'est violent. J'ai dit, affaire des garçons, femmes, on n'est pas encore fini de gérer. On n'est pas encore fini. Les filles, elles nous mettent dans les problèmes. Elles nous donnent les charges. Elles nous mettent dans les gourmets. On n'est pas encore fini de régler côté des femmes, là. C'est pour nous. On va les régler. Les gars, vous aussi. Il dit à la fille en même temps, comment toi-même il peut t'arriver un moment de penser même qui t'a devenu ça? Pourquoi même? Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Vraiment, surveillez nos enfants. Surveillons-nous. Surveillons-nous. Comme c'était une rumeur, nous allons s'arrêter là. Comme c'est une rumeur, on va pas donner trop de versets. Comme tu insistes. Comme c'est pas sûr. Moi, c'est pas sûr. Moi, c'est pas sûr que le vieux a validé ça.
Je ne suis pas sûr que cette loi a été validée. On était à Mans. C'était à Pomme, on n'était pas là, on était à Mans. On vient d'arriver à Abidjan. D'en demander une nouvelle, on nous a informé que le grand-père du voisin dit qu'on peut bénir le mouvement des gars là. Les lélés et les bains, on peut bénir ça. Il dit, t'as venu demander aux internautes, est-ce que c'est vrai? Si c'est vrai, que c'est validé, ah, vous allez lui l'air. Si c'est vrai, que c'est validé, c'est nous tous qui allons payer les conséquences de ça. Et on vous avait prévenu, vous nous avez pas écouté. Aujourd'hui là, tout ce qu'on peut faire là, c'est pleurer. On ne veut pas. Mais eux là, ils vont continuer de se laper. Eux, ils vont continuer de... Attendez, non seulement ils se lapent en cachette, maintenant ils se lapent publiquement dans toutes les séries. Il y a forcément un dedans. Même dans le club des petits, il y en a. Ils mettent ça là-bas. Côté visuel, ils nous ont pris. Mentalité, ils ont mis ça dedans. Partout où tu vas, ils sont là-bas. Souvent même le chef d'entreprise où tu travailles là, il est dedans. Le monde d'aujourd'hui là, c'est eux qui gèrent. Donc on est... Il y a les nous ont englobés. Il y a les couleurs, tout ça. Il y a les couleurs, donc, c'est-à-dire les couleurs que Dieu nous a données gratuitement. Hein. Eux ont pris, ils disent que c'est pour eux. Donc dès qu'on voit couleur là, si toi, on est champion. Donc, couleur là, on ne peut plus utiliser ça. Ils sont partout. On n'a pas dit que. Quand tu parles de ça, on dit que tu es devenu leur homo. Si tu n'as pas dit que c'est homo quelque chose, c'est que tu es anti quelque chose. Ouais. Bon, quand vous défiez Dieu là, on doit vous appeler comment? Quand ce que Dieu a dit là, vous ne faites pas, vous on doit vous appeler comment? Sinon on est homo. Anti-divinité. Non, on n'est pas homo. On n'est pas Javel. On n'est pas. Je sais pas. On dit. Faites vos trucs là-bas. Gérez-vous. Nos enfants, là, personne ne sera adopté. Ça, c'est clair. Hein? Gérez-vous. J'ai pris Dieu. Que parmi vous deux, là, un soit enceinte. Et puis, on va voir. Voilà, les deux garçons qu'ils ont mis ensemble, là. J'ai pris Dieu. Dieu n'a qu'à transformer le spermatozoïde de un dans le ventre de l'autre, que l'autre tombe enceinte. 9 mois de grossesse, là. Tu as subi ça aussi. On va voir. Tu es une femme, non? C'est ce que tu aimes, non? Mais tu peux pas tout aimer chez la femme, sauf la grossesse. Ah. Mais ce qui fait même la femme, c'est sa capacité à pouvoir gérer une grossesse. Ouais. C'est ça même qui fait qu'on n'est pas... Les femmes et nous, c'est pas pareil, hein? Donc que Dieu vous rend enceinte, vous donne beaucoup d'enfants. Amen. De gros ventes. Amen. Une grossesse lourde à supporter. Amen. Et puis jumeaux. Des jumeaux en plus. Voilà. Quand vous allez quitter dans ça, d'abord, où l'enfant va passer pour sortir là, vous allez nous dire d'abord, voilà, que vous allez quitter dans ça là. Mm-hmm. Vous allez respecter la femme. Vous allez respecter la position que Dieu vous a donnée. Témoignage de ça. Mais comment? Non, mais ça, c'est vrai, ça fait mal. C'est les enfants des autres qui vont venir adopter. Donc, enfant, c'est bon. Et puis comment même? Mais c'est quoi pour faire enfant là? Tu arrives au marché de Makori là. Il y a un coin là. Ils vont me demander comment ils savent. Ils savent. Moi, ils me promènent beaucoup. Et puis, quand ils me promènent, souvent, ils me camouflent. Vous ne savez pas que c'est moi. Mon visage, c'est difficile à reconnaître. Il y a un coin dans le marché de Makori là. Mm-hmm. Quand tu arrives là-bas là-bas. L'allée là. Ouais. Ouais. Le jeu est passé là-bas. Ah! Non, ça me dépasse. Hey, déjà nous on dort, les choses, un bon jour on dormait, on s'est réveillé. Joe, quand tu vas revenir au Brésil, et puis on est là, on se regarde, on ne sait pas ce qui se passe. Ouais. Rio de Janeiro. Pardonnez, suivez vos enfants. Pardonnez, écoutez les conseils de vos parents. C'est un conseil, hein? Pardonnez, priez, craignons Dieu un peu dans ce qu'on fait. Pardonnez. Maintenant le thé là, ça c'est pour les vrais gars, ceux qui sont d'accord avec moi qu'un homme doit avoir une femme.
et plus s'il le veut, s'il en a la capacité. Vous êtes prié de rentrer en contact avec moi, le plus 225-07-68-97-34-05 pour avoir les médicaments pour se sentir bien. Quand tu regardes, ah lui là, c'est un joli garçon. Il y a des jolis garçons aussi à l'évier. À la maison là-bas aussi là. Ils ont honte. Il est joli garçon dehors seulement. Quand il arrive à la maison, vlogodo. Ouais. Tout ce qu'il sait faire, c'est manger et aller dormir. Quand ça. L'heure du match arrive, lui met son cœur bas. Ouais. Mais il sait que il va taper poteau. Fini les hontes. Fini les poteaux. Vous qui êtes mariés légalement devant Dieu, contactez-moi, Inch'Allah. Bien. Vous qui avez le palu, vous vous sentez pas bien. Compte tenu du temps, parce qu'actuellement il y a l'armacan, il y a aussi le soleil, c'est un peu mélangé. Vous venez, on va vous donner un traitement complet de 1 mois. Ce n'est pas des aphrodisiaques, c'est des produits. C'est des produits. Et pour maigrir, non, ça ne fait pas maigrir. Au contraire, mon thé, il ne fait pas grossir, mais il donne l'appétit. Ceux qui n'ont pas l'appétit, ça peut, ça vous donne l'appétit. Et aussi, ceux qui ont des problèmes de digestion. Voilà, ça. Et puis ceux aussi qui ont des douleurs musculaires un peu partout, des articulations, ça va, ça vous jette. Ceux qui ont les hémorroïdes aussi, qui ont des faiblesses sexuelles, etc., qui n'arrivent pas vraiment, vraiment, vraiment à satisfaire. Parce que, parlons-nous sérieusement, ça fait partie du couple. Vous savez bien, une femme sait préparer, elle sait manger, elle sait faire tout. Un homme sait, il mange, il fait tout, il vient, il s'occupe de sa famille. Mais tant qu'il ne satisfait pas lui-même, sa personne et sa femme, licitement, vous savez que c'est pas bien. Ça crée beaucoup de problèmes, beaucoup de conflits dans la maison. Alors, on vous invite. Le numéro, c'est le plus 225-07-68-34-05. On vous invite à venir. Attends, je vais mettre ça sur WhatsApp pour vous. On vous invite à bien vouloir entrer en inbox avec nous. On va vous aider à vous sentir mieux, Inch'Allah. Si vous êtes prêts, vous mettez vos coordonnées. C'est aussi. Non, le prix, pour ceux qui veulent le prix, vous venez dans une box, on va vous donner le prix. Voilà. On va vous donner le prix. C'est pas cher, ne vous inquiétez pas. C'est pas cher. Venez, on va ça. Voilà, j'ai mis le numéro en commentaire. Je sais pas s'il y a quelqu'un pour épingler, mais je ne vois plus. Je ne sais même plus comment on épingle. C'est mon qui est prochain. Oui, mais quand j'appuie dessus, ça passe pas. Voilà. Donc, c'est combien? Appelez la secrétaire, elle va vous donner le prix, Inch'Allah. Et puis, il faut faire la livraison. Ne vous inquiétez pas, on peut vous envoyer ça chez vous depuis votre position respective. Donc, c'était ça ma petite vidéo pour vous. Et vous informer que je suis bel et bien à Abidjan, Inch'Allah. Tout va bien chez moi. Et de temps en temps, on va lancer un peu de live pour vous. Mais aujourd'hui, j'avais un peu de temps, je voulais partager ces petits moments avec vous. J'espère que ça a été bénéfique et profitable. Qu'Allah nous garde, qu'Allah nous préserve. Et qu'à la face de nous, des musulmans sincères et pieux. Ouais, même si vous êtes en France, pour contactez-nous sur WhatsApp. Le numéro, il est WhatsApp. Si vous êtes en France, en Belgique, aux États-Unis, etc., on peut vous envoyer, ça n'y a pas de problème. Ok, donc vous pouvez nous contacter, Inch'Allah. La secrétaire va se charger de vous prendre votre commande. Il y en a beaucoup. On a vidé le premier stock, on a aussi, nous sommes au quatrième stock. Là. Voilà. Et ceux qui ont déjà utilisé aussi, voilà, ils nous ont contacté pour quelques témoignages. Alhamdoulilah, ça fait plaisir. Voilà, donc le numéro, regarde juste en bas, c'est épinglé en bas. J'ai épinglé le numéro en bas. 07 68 97 34 05. J'ai épinglé le numéro. Demain, pas Figayo. On est fatigué, les frères. On est fatigué. C'est vrai que pour la cause d'Allah, on ne se fatigue pas, mais on va prendre un peu de repos, puis. Voilà, il n'y a pas Figaro demain. Voilà, merci Khadija. 68-07-68-97-34-05. Oui. Voilà, attends, je vais épingler. Comment je fais? J'y arrive pas sur WhatsApp. Voilà, donc c'est le numéro qui est là. Vous pouvez m'appeler. Dès que vous appelez, la secrétaire va se charger de prendre votre commande, Inch'Allah. Et si vous voulez parler avec Ismaël Aka personnellement, vous pouvez lui demander, vous donner mon numéro privé, mon numéro personnel, pas de problème. 07 68 97 34 05. Voilà. Maladie comme diabète, ulcère, tension, hémorroïdes, AVC, etc. Veuillez nous contacter, Inch'Allah. Merci beaucoup.
Je vous aime en Allah. Protégeons-nous, protégeons nos familles, Inch'Allah. Facebook, on se dit à bientôt. Assalamu alaikum wa rahmatullah.